Frère Tsemoyo, êtes-vous content que Mgr Kinel, Alphonse de passage ici à Brooklyn, la saison ça à côté que nous tout chiré, nous bouleversé, la bonne nouvelle dégâts cyclone Mathieu fait en Haïti. Nous content rencontrer un monde qui a porté espérance pour nous, qui a fait nous comprendre que même si le pays a frappé en pile, mais faut nous lever. Merci, bienvenue, Monseigneur. Merci, Monseigneur Guy. Merci beaucoup. Alors, Monseigneur, c'est lui-même qui est évêque de Fort Liberté. Voilà. Merci, Monseigneur Guy, pour l'opportunité. Ça permet qu'à travers radio et télé-solidarité et passage que je fais ici en Brooklyn, qu'il y ait plus de monde qui a beaucoup courant. Et c'est vrai, même si zone nord n'a pas frappé, c'est grand sud nord et la Caillou. Qui vraiment frappé, mais nous étions solidaires. Et d'ailleurs, Mgr Mésidor, archevêque capaïtien, a rencontré tout autre évêque Grand Orland, a fait des propositions pour que chaque diocèse dans Grand Orland ait pris en charge d'un diocèse dans le Grand Sud. C'est comme ça que capaïtien prend les cailles et la même Fort Liberté nous prend les NIP. Je ne sais pas si pour nous et un chat. Et Port de Paix et Gonaïve qui a une distribution en fait. Mais l'essentiel, c'est que le mouvement solidarité, d'ailleurs, Pape François insistait en pile les derniers temps sur cette question de solidarité. Hein, c'est le cœur de l'Évangile. C'est ça, c'est mettre l'Évangile en pratique. Puisque nous tous, nous sommes un seul corps. Donc nous-mêmes, tous, la New York, il faut être sans capable tout pour assister au relèvement. Et je connais tout effort, Monsieur Sansaï, qui a fait pour permettre que toute aide que recevoir aller joindre directement d'une façon qui est capable d'aider. Parce que le besoin est grand et nous avons une période urgente. Non. Mais ça peut arriver, il faut être conscient de lui, d'ici 3 mois, 4 mois, c'est là où on peut se sentir. Le programme à long terme, et puis permettre que le peuple bon Dieu. Toujours toute récolte perdue. Oui, c'est ça. Pour qu'on y ait un petit bagage de dégainer, il faut qu'il dégage avec eux, mais dans 3 mois, 4 mois, nous allons avoir senti l'impact du cyclone Mathieu sur le pays d'Haïti et surtout sur le Grand Sud. Le vendredi 4 novembre, il y a une messe que l'apostolat haïtien diocèse Brooklyn a fait. La co-cathédrale Saint-Joseph à 7h30 du soir, nous tous nous invités. Donc, merci un peu pour solidarité, non? Merci un peu pour tout ça nous voulons réaliser pour le peuple bon Dieu qui n'a pris d'Haïti à travers toute épreuve, Léo, mais c'est que il a pour renforcer la foi et permettre que une réponse qui montrait que les chrétiens qui y est et ensemble nous avons réalisé des merveilles extraordinaires. Amen. Merci beaucoup. Hein. Merci. Yeah.
ami mwen. Papa mwen lèmè, konfye mwen travay li. Ou pa febri li, ban mwen l'espri seyo. Yeah.